comédiens et comédiennes qui sont là et qui vont pouvoir répondre à vos questions. Alors, nous allons commencer par accueillir, s'il vous plaît, Madame Céline Monsara. Faites du bruit pour Céline Monsara, s'il vous plaît. Suivi de la rouge très charmante Clara Kinikini. S'il vous plaît, un peu de bruit. Suivi de la ravissante Laura Préjean. Et enfin du très grand, très très grand Patrick Préjean. Merci, merci. Alors, on va peut-être faire des petites présentations pour les personnes qui ne voient pas, enfin qui ne verraient pas qui sont ces charmantes personnes. Alors, Céline Monsara. Céline Monsara est une comédienne de théâtre et de doublage, directrice artistique, enfin, tellement de choses. Mais surtout, vous la connaissez peut-être pour être la voix officielle de Julia Roberts, ou de Bulma dans Dragon Ball, ou encore Dory, n'est-ce pas? Voilà. Dory aussi. Donc, elle a quand même un CV assez rempli. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, Céline. Suivi de la chanson. Suivi de la ravissante Clara Kilikini. Clara Kilikini qui, alors si vous voyez que son visage vous a un peu fatigué, c'est normal, puisque non seulement d'être une charmante comédienne, elle est aussi comédienne sur la chaîne Disney Channel. Donc, et elle a... Ah, il y a la personne qui reconnaît, c'est bien. Et donc, on l'a notamment entendu sur... quel personnage tu faisais déjà, madame? Dans... Dans quoi? Disney Channel en plus de doublage, oui. Là, je suis la voix de Luna dans Soyuna, voilà. De Zuri dans Jessie quand Kiyo Aka dans sa série Disney Channel. Et sinon, pas mal d'autres trucs. Oui. Oui, effectivement, dont on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup d'être là. Merci. Suivi de Madame, la grande, Laura Préjean, qui est également donc, comédienne de doublage, comédienne de théâtre, directrice artistique. C'est ma fille. La fille de Patrick Préjean, il y a quand même un gros potentiel, un gros level de talent, là, je crois quand même qu'on est bien là. Et donc, qui a notamment, tu peux peut-être nous dire ce que tu as fait, ce que tu, quel comédien tu as été. Benny dans Big Bang Theory. Voilà. Hey. Ah, voilà, quand même, merci. Big Bang Theory, on est capable aussi, peut-être, oui. Merci. Notamment, elle en parlera également des autres travaux que tu fais en quelques instants. Et enfin, l'homme de la situation. Si, si. Espérons-le. Monsieur Patrick Préjean. Alors, Patrick Préjean, grand comédien, acteur de théâtre, de film, de doublage, qui est avec nous depuis... Depuis si longtemps. Voilà. On va perdre des mots. Et c'est les légendes qui restent avec nous. Pour tous les quatre, bah, aussi. On va d'abord laisser répondre les jeunes, c'est normal. Alors, la plus jeune, comme elle était roi. Alors, moi j'ai pas vraiment une formation, en fait j'ai un peu appris sur le tas parce que j'ai commencé quand j'avais 4 ans. Et donc, du coup, j'ai appris en faisant en fait. Et j'ai quand même fait un petit peu de cours de théâtre et tout ça, mais j'ai surtout appris en travaillant. Moi, cours de. Voilà. Donc, on va verser pour continuer. Ça fait bien, prends ta voix de théâtre. Allô, ouais. Cours de théâtre, Jean-Laurent Cochet, école Périmonie, et voilà. Et après, aucune école spécifique de doublage, on va dire. Parce que moi j'ai commencé à une époque où il n'y en avait pas. Voilà, où on apprenait en regardant les autres travailler et on apprenait petit à petit. Ouais. Oui, c'est surtout des formations de comédiens en tant que tel. Vraiment, commencer par les cours de théâtre. Céline ? Oui, un petit peu la même chose, un conservatoire en province, un cours à Paris, le doublage est arrivé comme ça. Un petit peu comme Laura, mais c'était une époque, même si je suis beaucoup, beaucoup plus âgée qu'elle, où les formations, ce qu'on appelle voix off, ce qui est insupportable au passage, et les formations de comédien pour le doublage, ça n'existait pas. On apprenait en effet en regardant les autres, en allant assister aux enregistrements sur les bah, moi, c'est un petit peu un cocktail de tout ce qui vient d'être dit, mais en beaucoup plus vieux. Question suivante.
voulais savoir, parmi... Ah, c'est sympa, ça. Allez. Je voulais savoir, parmi tous les rôles que vous avez doublés, quel était le personnage que vous avez le plus apprécié de doubler? Ça s'adresse à vous quatre? Oui, à vous quatre. Évidemment. Bon, alors, ces dames me font l'honneur d'être galantes avec moi. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est les dessins animés. Parce que ça me permet de partir dans un univers complètement fou, un univers d'enfant. En fait, si je fais ce métier, c'est peut-être aussi pour retrouver un peu mon enfance en permanence. Donc, j'ai une grosse tendresse pour... Tigrou, qu'à faire le tigre, c'est ce que l'équipe préfère. Et puis, Rominet, le Sylvestre, sa petite beau-fils. Et puis, Sam le pirate, qui permet de faire des voix totalement différentes, d'aller du grave à l'aigu, et avec des intentions complètement folles. Et c'est ce dont j'ai besoin pour justement rééquilibrer certains autres personnages que je joue au cinéma, au théâtre ou à la télévision, qui sont souvent beaucoup moins drôles que ça. Voilà. J'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question, parce qu'il y en a plusieurs. En animation, j'ai adoré faire la famille pirate avec mon père. Voilà, ça c'est... Mais parce qu'on est père et fille dans un dessin animé. Voilà, et ça c'était un magnifique projet où on a fait les voix et ils ont animé le dessin sur nos voix. C'est un super souvenir. Peut-être un des plus beaux que j'ai en animation avec le château ambulant de Miyazaki. Oui, le château ambulant c'était magnifique. Voilà. Après, en série, j'ai une grande tendresse pour Véronique Amars et pour Penny dans Big Bang Theory. Ouais. Il y en a beaucoup, vraiment il y en a beaucoup. Alors moi c'est très difficile de répondre à cette question parce que j'ai tout aimé. Donc, mais c'est vrai que j'adore aussi l'animation, j'ai un petit projet pour l'animation. Et j'ai fait un petit truc dans Zootopie, je fais Judy enfant au début du film et bien partie d'un dessin animé dans la chouette. Voilà. Pour ce qui me concerne, alors en animation, moi, je dirais tout d'abord la Schtroumpfette, même si vous n'étiez pas née. Je suis la Schtroumpfette quand même, la Schtroumpfette. Et puis ensuite, bon, bien longtemps après Dory, du monde de Dory, du monde de Nemo. Pour ce qui est des personnages pour de vrai existants, bon alors peut-être Pretty Woman, parce que d'abord, enfin, tout ça est très personnel, donc voilà. Et puis c'était la première rencontre avec Julia Roberts. Et puis ensuite, elle toujours pour Erin Brockovich, parce que le sujet m'intéressait particulièrement. Mais je dirais comme Laura, il y a beaucoup de rôles qui m'ont intéressé. Et puis tout dépend du contexte, bien évidemment de l'histoire, du directeur de plateau. Et du chef. Tout ça entre beaucoup en ligne de compte aussi. En effet, ça nous intervient de moi. Oui, parce qu'effectivement, par exemple, Céline, c'est vrai que ça fait maintenant, ça ne rajeunit pas, ça fait quasiment 30 ans, par exemple, que tu suis le personnage de Bulma dans Dragon Ball. Oui. Oui, voilà, par exemple, ça. Elle n'a pas bougé. Elle a fait, oui, on l'envie. Faut qu'elle nous donne le numéro de son chirurgien, d'ailleurs, faudrait qu'on en parle. Pareil. Donc voilà, sur ce, question suivante. Comment s'est passée votre première tournée? Alors déjà, on ne dit pas doublure. Doublage. Voilà, on dit doublage. La doublure, c'est pour les vêtements. Exactement. Je réponds? Ouais. C'est pour tous. Ah, c'est toi, pardon. Alors écoute, je crois que j'ai bougé assez vite, mais c'est pas très compliqué. Bon, après, il y a eu un grand temps, pendant au moins 2 ou 3 ans, où tout d'un coup, tout était beaucoup plus difficile parce que sur le premier, c'est la même chose pour toutes les premières fois, c'est une espèce de spontanéité. Ensuite, tu poses beaucoup de questions et tu essaies à la fois d'intégrer le jeu, qui est primordial dans le doublage, et puis la technique, qui est aussi importante. Donc, voilà, mais j'ai un souvenir d'un premier doublage sur un film chinois, et c'était rigolo. C'est compliqué, mais je crois pas. Voilà, c'est quand même technique, il faut être comédien avant tout. Quoi. Voilà, le talent, il faut. Donc, pardon. Oui. Alors, moi, ma première séance, j'avais 4 ans, mais je ne savais pas encore lire. Et du coup, on me disait la phrase, on me tapait sur l'épaule quand je vais la dire. C'est comme ça que tout commence, oui. Et en fait, j'avais très peur de rater devant
demandé que tout le monde sorte du plateau. Et l'ingé son a dû ramper derrière sa table pour m'enregistrer parce que j'avais pas envie de rater devant tout le monde. Maintenant ça va mieux. Mais voilà. Est-ce que tu... C'était dans quoi? C'était dans le... C'était dans la série qui s'appelle Réma. D'accord, ok. La princesse et la grenouille, tu l'as tout petit. Non, c'était après. Tu dois avoir du sens. D'accord. Pardon, Laurent. Moi j'ai travaillé avec Lara, elle n'avait pas 4 ans, mais elle devait en avoir 5 ou 6. J'ai dirigé un film qui s'appelle Bambi 2, la suite de Bambi. Et tu ne savais pas encore lire, je suis bête. Et effectivement, c'était trop mignon, elles étaient 4, elles faisaient les sœurs de Pampan. Voilà, et on faisait phrase par phrase, et c'était, je m'en souviendrai toujours, c'était super, super, super souvenir. Et moi, sinon, j'ai commencé, je faisais toutes les infirmières des Feux de l'amour qui avaient une phrase. Pendant un an. Et j'ai appris comme ça. Et j'avais super peur à chaque fois. Voilà. Et mon premier doublage, c'est ça. J'ai infirmière des Feux de l'amour. Tu avais quel âge? 16 ans. 16 ans, d'accord. J'ai pas travaillé petite comme Clara. 16 ans. Ok. Eh bien, moi, je ne me souviens plus du tout de mon premier doublage. Parce que ça devait être à peu près à la fin du 19e siècle. Ce dont je me souviens, c'est que Victor Hugo venait de mourir. C'est à l'époque où on pédalait pour faire passer la bande rythmo, c'est ça? Question suivante. Bonjour, j'aurais une question pour Monsieur Patrick Préjean. Oui. Vous avez... Ici. Ah, salut. Bonjour. Vous avez fait la voix du Nimbo dans la série des Il était une fois, les explorateurs et les découvreurs. Je voudrais savoir si vous étiez briefé par M. Barillet avant les épisodes sur les sujets historiques, techniques, et également, vous pouvez parler de votre relation avec Roger Carrel, qui était avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne Albert Barillet, bien évidemment, qui nous briefait parce qu'il était important historiquement, culturellement, d'être bien au courant de ce qu'on avait à doubler. Mais enfin, quand on a une culture à peu près moyenne, on s'en sort déjà pas trop mal, on sait à peu près ce qu'on dit. Quant à la relation avec Roger Carrel, eh bien, c'est carrément devenu probablement mon meilleur ami. C'est un être, sur le plan artistique et sur le plan humain, absolument exceptionnel. D'ailleurs, j'ai eu la chance de tourner aussi avec lui dans la télévision plusieurs fois, et c'est vraiment quelqu'un qui n'engendre pas la mélancolie non plus au quotidien. Voilà. Bonjour. J'aime ce que vous faites, parce que pour moi, quand il y a un doublage, c'est pas facile. Il est souvent connu, mais le personnage, pas le doubleur. Et j'aimerais savoir comment vous le dites, c'est une popularité, mais dans l'inconnu. C'est-à-dire que vous, en tant que personne pas connue, votre voix, si. Pour la disponibilité de l'acteur. Parce qu'on vit une époque
où les gens, les acteurs doivent continuer à avoir du talent, c'est la moindre des choses, mais être rapide. Et dans le doublage, il faut comprendre très très vite ce qui se passe dans les yeux du personnage que vous avez à doubler et pour pouvoir le mettre en pratique. Et c'est aussi techniquement une façon de faire des gammes pour les rôles qui nous attendent aussi au théâtre, à la télévision ou au cinéma. Techniquement, c'est très bon aussi pour l'articulation, pour plein de choses. Hein. Et la diction, c'est ça. Et la diction, bien évidemment. Merci. Question suivante. C'est par ici. Déjà, merci à vous quatre d'être venus. C'est super sympa de vous montrer en public et de vous mettre aussi disponible que vous l'êtes aujourd'hui. Merci, Doc. Cette question est pour Monsieur Préjean. Alors, je suis inventeur moi-même, j'ai inventé la DeLorean de Retour vers le futur. Je veux savoir, est-ce que vous connaissez la fonction principale du Schmilblick? Le Schmilblick est rigoureusement intégral. Il peut à la fois servir le Schmilblick d'intérieur grâce à la taille de ses corps moches et de Schmilblick de campagne grâce à sa mostoblase et à ces deux glottosifs qui lui permettent d'urnabouiller les ischioblocs, même par les plus basses températures. Et toc ! Bravo ! Ouais, ça, c'est
Il n'y en a pas beaucoup, des films comme ça. C'est le premier souvenir qui me vient là, mais c'était formidable, mais c'est intense, ouais. Mais ça demande un temps de repos, en fait. Non, on va exagérer non plus, mais c'est... Non, toi, tu as la En fait, on a l'impression, quand on fait ce genre de film, qu'on a une petite responsabilité, ce qui est un petit peu débile, hein. Mais qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, exprimer n'importe quoi, que c'est un sujet important. Voilà, c'est intense. Pour répondre à ta question, c'est très dense et intense. Voilà. J'ai compris, merci. Je dis pas que Penny, c'est pas intense. C'est juste que c'est pas le même sujet, c'est pas la même énergie. C'est un petit peu plus léger, par exemple. Voilà. Un rôle de pour Oui, moi aussi, c'est un peu près. C'est des circonstances d'une situation absolument terrible d'un homme qui venait d'attraper le sida et qui menait son expérience de vie avec son compagnon pendant tout le film, et j'étais assez bouleversé. Et là aussi, on se pose, à chaque réplique, souvent, en écho, on se pose des vraies questions par rapport à des gens qui vivent des choses aussi difficiles. Voilà, je fais la petite fille et déjà c'est un film très violent, moi je déteste les films violents, donc c'était un peu dur psychologiquement parlant. Et en plus j'ai dû parler espagnol dans le film et je ne suis pas très douée en espagnol. Et du coup c'était un défi. Je peux peut-être te faire des cours particuliers. Un coaching, parfait, je prends. Alors une dernière question, puisque bientôt nous allons devoir en le laisser. Dernière question peut-être ? Il y en a une là-bas dans le fond. Oh, Elia, en fait, j'ai une question. Quand on a 15 ans, qu'on est quelqu'un de normal, comment on fait pour intégrer le milieu du doublage? Je peux d'abord dire quelque chose. Oui. Avant d'intégrer l'univers du doublage, il me paraît indispensable d'avoir, avant tout ça, envie de jouer la comédie. Et de devenir comédien ou comédienne. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il ne suffit pas de claquer dans ses doigts et d'arriver comme ça en disant « je veux faire du doublage du jour au lendemain ». C'est quelque chose qui doit venir à la suite de cette envie et se mélanger à l'apprentissage d'un vrai métier qui est celui de jouer ou de rentrer dans la peau d'un personnage. Avant tout. Effectivement, ça serait vraiment être comédien d'abord, prendre des cours de théâtre. C'est comme si on demandait comment est-ce qu'on fait pour faire du cinéma, quand on veut être acteur de cinéma. Mais là encore, c'est pareil, c'est être comédien d'abord et avant tout. Ne pas oublier que le doublage, en fait, c'est une des palettes, un des domaines dans lequel le métier de comédien s'exprime. Parce que, effectivement, il y a des abus de langage comme doubleur. Alors, doubleur, ça n'existe pas, c'est comédien de doublage. Parce qu'effectivement, même si vous connaissez nos quatre invités à travers leur voix, leurs travaux dans les différents projets que vous avez regardés tous les jours, ce sont avant tout des comédiens de théâtre, de télévision, des metteurs en scène, des directeurs artistiques. Donc voilà, il y a vraiment toute une palette. Donc voilà. Le doublage fait partie des spécificités de ce métier. Quand on est cuisinier, on ne fait pas que de la cuisine chinoise, on fait aussi de la cuisine italienne, on fait aussi de la cuisine, japonaise ou autre. Voilà, c'est à peu près la même chose. Donc apprenez à être cuisinier d'abord. Bon, et bien, oui, pardon. Vous vouliez dire, Patrick? Non, d'accord. Bon, et bien peut-être un dernier mot, peut-être de votre part à chacun pour le public qui est venu vous voir, si vous voulez ajouter une dernière chose. Je les ai déjà remerciés d'être là en arrivant. Ça conforte ce que je pensais tout à l'heure. Bravo, merci. 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 Merci beaucoup d'être venus et je vous demanderai s'il vous plaît d'applaudir nos quatre invités aujourd'hui.